bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Domekeeper. On continue, on est toujours en live, hein, si vous voulez dire bonjour à la VOD dans le chat. Et oui, c'est Danas BZH, je fais des rediffs sur YouTube, et PeerTube d'ailleurs. Du coup, je fais des vidéos pas du live complet parce que c'est trop long, je trouve, à regarder. Enfin, moi en tant que viewer, je trouve ça trop long. Du coup, bah, je les coupe un peu. On va se détendre là. Oh. D'accord, on se détend pas du tout. C'est ça le thème. Hop là. C'est pas fini a priori. Ah oui, il reste l'autre saloperie là. Ça y est, c'est fini. Alors, on en était où? Il y avait l'autre qui fouillait là, on a fini bientôt là. On va prendre ça, voilà. On a absolument pas trouvé d'où venait la relique, ça m'embête. Ah, voilà, il suffisait de demander. Alors. Ah bah tiens, ça c'est intéressant. Je vais t'aider, Creuseur. Yes. Ça c'est bon. On va prendre ça quand même, histoire d'avoir un petit boost de vie au cas où. Non, je voulais pas te ramasser, je voulais que tu ailles dans l'autre sens. Voilà. Tant qu'à faire, file-moi un coup de main. Ah, il y en a un troisième par là-bas. Ok, on va foutre machin dedans. Putain. On appuie long pour le choper. Avec un peu de bol, il va nous le trouver. D'ici là. Allez, go, 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 go. Alors, qu'est-ce qu'on peut améliorer avec ce qu'on a? On a 38. Là, on a à peu près tout fait. C'est quoi ça? Renforce la poreuse encore une fois. Ok. Et la petite flèche autour, j'imagine que ça doit dire qu'on doit pouvoir le faire à l'infini. Ici, on pourrait prendre la vitesse de déplacement du laser. Ah, j'ai vu la ligne qui partait vers la droite, mais j'ai pas fait gaffe que ça montait. Fucked up, désolé. On a un petit peu d'eau, mais pas tant. S'il y a des trucs qui vaillent le coup. Ça, c'est hyper fort. Ça, je prends. Et du coup, je vais prendre la vitesse de mon laser. Non, on a un super ascenseur pour remonter. Je veux me défendre contre les monstres. Ah oui, effectivement, vachement plus rapide. Rien à voir. Oula. Moi aussi, par contre. Faut que je m'y habitue. Le TP est plus rapide, je te l'accorde. Je te l'accorde même avec plaisir. Wow. Ok, toi t'attends là. Ah oui, t'as raison, on voit le câble en haut là à droite, je l'avais raté. Bien vu. Alors là. Yes. Ah merde, putain. Faut attendre qu'il s'ouvre avant de l'activer.
Allez, go! On n'aura pas débloqué le pet spécial Halloween, mais on aura débloqué la Squelet Suite. Aïe, je me suis cogné en haut du truc. Ok, ils sont vénères. Je sais, je peux attendre Stonas, mais c'est moins drôle. On peut essayer d'en tuer le maximum. Tiens, j'avais même pas le succès. Ouais, mais après, c'est vrai que j'y ai joué avant le succès. Avant que le succès arrive, donc. On va débloquer un nouveau compagnon, un nouveau monde, une nouvelle tarte. Une nouvelle tarte. Une nouvelle taille de carte, pardon. Et un nouveau skin. Alors. Ah, il faut que je choisisse. Ah, c'est dur. Alors, on peut choisir le dôme épée. On peut choisir le mode prestige. Marquez des points en envoyant chez vous autant de ressources que possible avant que votre dôme ne s'effondre. Que vous ne quittiez la planète sain et sauf. Ok. Un genre de mode infini. Ou le retour à l'envoyeur. Ah, ça doit être ça dont tu parlais. Le fait de... De renvoyer les projectiles aux ennemis. Donc le retour, reout ça doit être retour en anglais, j'imagine que ça doit être comme ça qu'il s'appelle. Ouais, ça me paraît pas mal, hein, je suis d'accord, hein, le fait de renvoyer les projectiles. Est-ce que c'est un truc qu'il faudra que j'achète? Ça leur débloquera une ligne d'achat ou est-ce que le bouclier il aura ça direct? Ça me paraît abusé qu'il ait ça direct quand même. Oui, ça débloque une ligne d'achat. Ah non, et toi tu dis direct cette NAS. Ah, bon, on va tester. Bah, prestige, je sais pas si c'est. Il y a le symbole infini, mais il disait que. C'était. Jusqu'à ce que tu t'enfuis de la planète. Donc, ça doit être un mode infini, pas infini du coup. Alors, comme compagnon, on a la chouette. Ok, très bien. Comme skin. On peut prendre 3 heures la partie prestige. Ouais, ça pique un peu, on va pas dire le contraire. Par contre, du coup, on le voit pas qu'on a débloqué ce truc là pour notre bouclier. Donc on reste en chasse à la relique. On va garder l'ingénieur. Oh, on prend le squelette. Allez, on va prendre le squelette, c'est quand même plus classe. Ah, on a débloqué la taille grande. Alors déjà moyenne, c'était sportif. Est-ce qu'on se tente une moyenne en brutal? Qu'est-ce que vous en dites? La difficulté prévue pour Domekeeper, ça va être un peu trop violent, je crois. C'est vous qui me dites. Plutôt grande brutale, carrément. Grande brutale pour Satanas, ok. Alors, fucktop, ça me débloque des trucs, mais ouais, voilà, on est d'accord. Faudrait que je reste en difficile pour débloquer, mais après, le chat veut voir de la mort, j'ai l'impression. Allez, on va tenter. Ah, en plus, on est dans un sympathique environnement. On dirait presque des ossements. Allez, go! Ah, c'est la loose, on tombe pas direct sur des pépites. Ça fait mal. Ah. Seulement 3. Bordel. Qu'est-ce qu'on est lent! Ah, ça fait toujours mal quand tu recommences une partie, t'as rien là. Alors, déjà, on va mettre ça.
Et puis bah du coup si on peut prendre ça aussi, c'est parti. Non putain. Ah, mes touches. Il y a un mode après brutal encore. Oh la vache. Ça doit piquer. Merde. Alors, il nous en faut 4 pour upgrader ça. Tant pis. C'est raté. Un petit peu d'eau. Ah putain, ils sont carrément plus rapides. Ils sont déjà là quoi. Stop, 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 non. Il a réussi à toucher notre truc. Alors du coup, le bouclier, on a quoi maintenant? Retour à l'envoyeur. Ah oui, on peut choisir le souffle ou le retour à l'envoyeur. D'accord, ok. Et du coup après, renvoie les tirs. On voit plus souvent les tirs ennemis mais pour un laps de temps plus court. Ah oui, c'est que pendant une. C'est une fois par combat pendant 5 secondes, d'accord. Ça augmente les chances de toucher l'attaquant. Ah oui, parce que du coup on les renvoie, mais si on les renvoie trop lentement et qu'ils se sont barrés, forcément ça touche pas. Ok, 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 très bien. CAD, oui, c'est-à-dire. Effectivement. Il est où mon téléporteur, hein? Regardez-moi mon téléporteur. Bon, on va prendre tout de suite la vitesse, voilà, et ça, puis on va continuer à redescendre. Super, ça va être le coup. Et c'est moi où la chouette a fait des flexions. Faut remonter là. Alors pas oublier qu'on est en brutal. On a que 2, avec 2, avec 2, on peut pas faire grand chose. Hein. Non, même pas ça. En plus, on a même plus notre petit laser qui stun, qui nous a quand même sacrément sauvé la vie dans la première partie. On peut pas trop se mentir. Tu es très dérivative. J'ai pas celui-là. Hé. Mec, t'as un drill, tu restes pas bloqué sur une case quoi. Bon. C'est pas idéal tout ça. Ok, un peu d'eau, c'est pas ce qu'on cherche. J'arrive. On n'a pas trouvé de pépites donc on n'a rien d'autre à faire. Ah mon dieu qu'il est lent, qu'est-ce qu'il est lent. C'est terrible.
Alors, c'est ici. C'est un peu la loose ce start. Je pense qu'il faut utiliser les bons termes. Bon, on a le temps d'aller faire un peu de place près de l'entrée. Peut-être s'assurer qu'il n'y a pas genre un petit peu de ressources juste là. Non. Ouais, alors c'est pour ça qu'en général je prends direct la puissance du laser, parce qu'au début je trouve qu'il est quand même très faible. C'est pour ça que je prends en général en deuxième l'amélioration du perso. Alors là c'est pas de bol, on a pris l'amélioration du perso donc on est hyper efficace mais on trouve rien. Donc du coup c'est absolument pas rentabilisé. Ah, un peu d'or. Ouais, 3 pépites, on va pas aller loin mais... Pour ça de prix. Hop. On va aller fouiller ici. Ah, ça c'est cool. Je pense qu'on peut même en ramener 4 vu qu'on est pas loin. Allez, la dernière, on a le temps d'aller la chercher. Alors, le laser de la puissance, oui, je prends. Ça va être chaud. S'occuper de celui-là. Aïe, 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 aïe. Alors est-ce que j'ai pas assez pour prendre ça? Si, j'ai complètement assez pour prendre ça. C'est un peu dommage ça. Alors le dôme épée il m'a l'air marrant aussi, mais je sais pas du tout comment il se joue. Je pense que ça va être du fun. Ok, bon, on a une belle veine là. Enfin, après, faut quand même qu'il y ait des pépites dedans, hein, parce que c'est sûr que s'il y a que des trucs à 1, ça n'aide pas. Hop. Ah mais est-ce que c'est vraiment un tips de beginner si on parle déjà de débloquer l'épée, ce qui veut dire que t'as déjà réussi à terminer quelques runs. On va aller ici. Ah nickel. Ça fait plaisir. Ah j'aurais pas le temps avant la vague, dommage. Si tu bouges les fesses peut-être. Non, c'est mort. C'est mort, on est mort. C'est la fin. Alors, est-ce que je peux améliorer un truc? J'ai 10. On peut donc prendre la... merde. Ah là, ah putain. Ok, alors là, ça c'est le gros échec critique, ça, l'emmêlage dans les touches. Aïe. Aïe. Aïe, tu l'as fini à 100% le jeu, fucked up. Bah GG. C'est pas... C'est pas trivial. Comme dirait l'autre. Allez, on va chercher notre petit bébé qui était par là. On va faire de la place. Oh, is.
tellement l'impression de lutter avec lui quand il galère à remonter les trucs, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose? Le convertisseur de ressources. Non. La sonde. Pourquoi pas? Ça me paraît le moins pire des deux. Tu dis que le convertisseur de ressources, ça fait partie des deux meilleurs trucs du jeu? Putain, ça m'est rarement arrivé d'avoir vraiment un déséquilibre, quoi. À moins que ce soit vraiment du 1 pour 1, ce qui est rare, mais... Mais oui, la sonde, on est d'accord, hein, la sonde c'est clairement le meilleur des trucs. Hein. Enfin, tant qu'on n'a pas le cross-tout en tout cas. Alors, on va aller vérifier par là s'il nous reste des trucs. Alors, merde, c'était comment déjà? C'était E? Ouais, c'était E. Et ben, c'est un échec de sonde. Pas de bol. On va récupérer un cobalt sur cette fouille. Ah mais je veux le creuse tout parce que c'est fun. Parce qu'il m'a beaucoup fait rire. Je suis d'accord qu'en termes de d'optimisation, c'est quand même pas mal de temps perdu et tout. Mais oui, je suis plutôt quelqu'un qui joue en premier pour le fun que pour vraiment l'optimisation. Bon, sur un roguelite, on est d'accord que l'optimisation, c'est quand même nécessaire. Du coup, on va prendre retour à l'envoyeur. C'est parti. Et en plus, il est tout mimi, mais tout à fait. Puis quand il tombe, là, il fait... Quand il se réveille, il est en mode... Ah non, mais je dormais pas. Rien, je creuse. Ah, il neige des pétales de rose. Alors du coup, c'est F le retour à l'envoyeur. Ah, ça les instatue en plus. Ah ouais, c'est pas mal. Effectivement. Bon, du coup, j'étais concentré dessus, donc je n'ai pas regardé où je tirais avec mon autre laser. Ah, tout à fait, le fun c'est le plus important, surtout quand t'es en live. Faut s'amuser, sinon ça se sent. Si tu te fais chier, ça se sent. Alors, on va essayer de mettre un petit coup de sonde par là. Parfait. Même pas besoin de faire le décalage de cases. Seulement 4 pépites, sérieux? Bon bah on va les ramener les 4 hein. Même si c'est long. Ah bah je veux bien te croire, ouais. Bah de toute façon là on voit hein, le fait de pouvoir renvoyer les projectiles de l'ennemi. Clairement, surtout que ça les one shot. Le fun il est là. Hein. Y'a zéro doute. Plein de choses par là, on va y aller tout de suite. Oui, une pluie d'or. Plus d'ennemis aussi qui arrivent là. T'as un peu bu donc les infos sont bonnes mais pas ta syntaxe. Je t'inquiète, il n'y a pas de souci. Alors on a 8, pour 8 on peut pas prendre ça, par contre on pourrait prendre la vitesse. Et je veux de la vitesse. On a pas mal d'eau pour le coup. La dernière fois je disais que ça m'arrivait rarement d'avoir un déséquilibre mais du coup pour le coup, là c'est un peu le cas. Ah, le salaud, il a esquivé ses propres tirs. On pompe. Et on est reparti. Non mais... Il est 13h, hein, c'est l'heure de l'apéro. Moi ça me choque pas. Hein. Tant que t'es majeur en tout cas, n'est-ce pas? Après tout, nous sommes sur Twitch, restons corporate. Tac 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 tac.
tout cas, si vous voulez, n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur le Discord, hein, Satanas est fucked up. En général, le week-end, c'est... J'essaie de prendre un jeu et je le fais découvrir tout le week-end, j'y joue tout le week-end. Je fais malheureusement pas trop d'autres lives en semaine parce que j'ai pas le temps avec mon boulot. Mais j'aime bien faire ça le week-end. Donc après, si vous aimez à fond Domekeeper, c'est pas dit que j'en refasse tout de suite après. Mais par contre, j'essaie de trouver un petit jeu sympa à faire découvrir. Merde, c'est bientôt l'attaque là. Je parle, mais on va crever. Non. Alors, est-ce que j'ai ramené des trucs? On a 5. Est-ce que pour 5, on peut faire des choses? On peut même pas augmenter notre vie. Alors, pour 5, je pourrais prendre le viseur, mais c'est nul. Je pourrais améliorer le bouclier. Ou la sonde. Ah, la sonde. Clairement. Alors, il y en a deux qui viennent par là, donc on va commencer par là. Forcément, du coup, pour me faire mentir, il y a 6 qui se pointent de l'autre côté. Ouais, alors, on va se détendre un peu là. Ça pique. Alors, ça m'a rechargé en plus, ça c'est cool. On va aller par là, puisqu'on a vu que de l'autre côté il n'y avait rien. Oh, y a tellement rien. C'est tellement la tristesse. Il m'a vu un truc tout en bas à droite aussi. Tout en bas à gauche, j'ai cru voir. Bon, on a déjà quoi s'occuper un peu. Donc on veut ramener tout ça rapidement. Hop là. Et vu comment les monstres ils sont vénères, à mon avis un petit peu de cobalt ça serait pas mal aussi. Ok, on en prend 3, 4, allez, puisqu'on descend, on reviendra pas. Voilà, alors on va attendre que ça soit broyé et on va voir ce qu'on peut faire. On a 10. Pour 10, on peut prendre la vitesse de déplacement ou alors on attend. Vu qu'on n'a pas le stun, la vitesse de déplacement ça me paraît un bon plan quand même. On va prendre. Ils sont 3. Voilà, l'échec. Ils ont tous raté, sérieux? Alors on va tellement se faire défoncer du coup. Bah, ça continue de broyer quand on est dans le menu des recherches, tout à fait, ouais, mais il faut attendre quand même, donc autant attendre là où j'ai un indicateur visuel que bah, il reste rien d'autre quoi. C'est un petit peu la merde là par contre. Un seul truc et c'est de l'eau. Ah, et un objet. Ça par contre c'est très très bon. Non mais pas ça, on s'en fout de là. On s'en fout de la goutte d'eau, sérieusement, il y a un objet quoi, je... Il faut que je ramasse une goutte d'eau. Alors, là, pour le coup, on va voir ce qu'il propose, mais peut-être que le cobalt ça serait intéressant. Le convertisseur ou le condensateur? Eh bah pour le coup, je pense que le cobalt ça vaut carrément. Les objets de merde en brutal quoi. Le convertisseur quand même, même si après je pourrais rien prendre d'autre.
Bon bah le convertisseur, je vous écoute. On va aller voir comment il marche du coup. Alors, convertir 1 en 2. Ah d'accord, ok. Ah oui, donc en plus c'est rentable en vrai. D'accord, ok, bon bah si c'est rentable, je prends. Je prends. Je pensais que c'était un truc classique, genre... il te faut 5 dos pour faire une pépite, juste histoire d'équilibrer un peu quoi, genre comme un marché. Ok, là il y a des choses, je vais juste faire un trou pour les voir et on va retourner défendre. Ouais, j'arrive. Donc là on n'a pas moyen de se soigner du tout. Pendant ce temps-là, l'espèce de petite taupe chouette fait sa vie. Si je l'améliore, je gagne 1 pour 5. Ah oui, c'est pas mal, j'avoue. Merde, je me suis planté, c'était par là. De toute façon, faut faire des chemins. J'ai pas repompé pour mes sondes, hein, c'est pas bien. Oula! Mais il faut arrêter d'être en acier trempé, Madame Minerai, là. On va remonter ces trois-là. Alors, est-ce que je pourrais pas prendre un truc intéressant, là? Ah non, j'ai que 3 du coup. J'ai tout cramé déjà. On va pomper un coup. Hop. C'est absolument pas optimal le chemin que je prends là. Alors, c'est vraiment mais tout sauf optimal. Allez, j'en veux plus. J'ai le temps là, j'ai le temps. On a le temps, on n'a absolument pas le temps. On a monstrueusement pas du tout le temps. Oh la vache, ça va être tellement la tôle. Est-ce qu'on a assez pour prendre ça? Oui, bon, au moins on regagne un petit peu de vie, même si c'est artificiel. Oh non, pas ce truc là. Quel enfer. Meurs. Bordel. Toi, quand tu termines ton truc, tu me l'amènes pas direct, quoi. Est-ce que je peux prendre l'amélioration, du coup, de ça? Alors, permet de convertir le cobalt en fer. Non, la conversion d'eau devient plus efficace, donc c'est ça qu'il faut. Il faut 4. J'ai pas ce qu'il faut. Malheureusement. C'est pas de bol. Alors il me restait encore 2-3 trucs à ramasser je crois, mais je vais d'abord aller mettre un petit coup de sonde là, juste en dessous. Oh là là. Quelle tristesse. Oh ça va. Ça va. Il a détecté qu'un truc, mais il y avait de quoi faire. Ah, il y a une upgrade. Oui, alors moi j'appelle ça des pépites d'or, mais c'est pas du tout de l'or, hein, peut-être. Tu dis. Celui qui est tout en bas. Ah oui, ça multiplie le fer. On lui file 0,20 fer, il fait 1 fer. D'accord. Ok. Oui, effectivement. Je vois l'intérêt.
Je vois l'intérêt, clairement. Allez, on a le temps de remonter 4. Par contre, il va falloir que j'arrête de laisser des pépites toutes seules parce que... Allez... Hop là. Ah, puis alors on en a un là aussi. On va le prendre vite fait. Merde. Alors, du coup, est-ce qu'avec 7, on pourrait pas prendre un truc? Pas trop. Je pourrais renvoyer les plus souvent les tirs ennemis. Plus souvent. Ah oui, j'ai 3 utilisations par combat. Ouais. Ça me paraît pas une priorité. Donc ce qu'on veut c'est ça, hein, vous disiez la gigasonde, hein. Ouais. Ça paraît logique. Et donc là on a pris ça. Et c'est quoi les autres trucs au fait? Conversion de cobalt, prend plus de temps, 6 fer en 1 cobalt. Ah oui, c'est 12 fer en 1 cobalt, la vache. Ouais, alors on a un petit peu en déche de cobalt, mais pas à ce point-là quand même. Hein. Cela dit, je suis pas sûr de réussir à m'en sortir sur ce... sur celui-là. Ah putain, le gros tas, on est tellement de mal à le tuer. On va crever là. Faut que je m'occupe de ceux-là. Il reste le tireur. 1, 2, oh putain, c'est chaud! Bon, on n'est pas mort sur ce coup là, mais alors si on trouve pas de cobalt, j'en vite, on va le payer cher. Alors, du coup, convertir 1 en 5, ah ouais, j'avoue, trouve-moi du cobalt. Oh là là, quelle déprime. Il restait un petit peu de pépites là. Oh, c'est tellement loin. Ah oui, ça c'est bon. Ah oui. On en prend un max et on remonte. Et nous sommes sauvés! Faudrait que je tape un peu ce gros caillou là pour voir s'il n'y a pas 2-3 trucs planqués dedans. Allez, on y croit! Alors, ce que je veux, c'est ça. 1, 2, 3, on va tout cramer de toute façon. L'amélioration c'est bien, mais on n'a pas ce qu'il faut. Alors le petit patch Obiti, il fait rien, il se balade là et il fait sa vie, tout simplement. On a toujours que 7 pépites. C'est du cute-cute gratuit, exactement, c'est pour le moral. On pourrait améliorer la puissance du bouclier, ça me paraît pas mal comme idée. Alors, un gros tas. On va essayer de le... Oh non, ça s'est arrêté, mais au moment où les projectiles arrivaient, vous êtes sérieux? Arrête, laser! Bouge correctement. Ok, on a pompé, on est bien, on est reparti. Là on avait laissé une pépite, c'est bien ce qui me semblait, on va balancer un petit truc comme ça. Ouais, j'ai laissé des pépites un peu partout.
Sizikino, tu fais chanter Chobiti. Hop là. Attends, on commence à être loin. On commence vraiment à être très loin. Alors là, on va juste faire. Voilà, par acquis de conscience, s'il n'y avait rien d'autre. Attends, on n'a même pas le temps de faire deux allers-retours, quoi. C'est chaud. Non, y'a rien. Bon, on a ramené 3, on va voir 10. Non, parce que j'ai acheté un truc. Ah oui, j'ai acheté le bouclier, c'est vrai. Plus de puissance, ce serait bien, hein. Il en faudra encore 6. La vitesse aussi, ce serait bien, tout serait bien. C'était quoi ça? Ah non, ça va, c'est du décor. Je me suis dit quoi, il y a des trucs qui me tirent dessus, ils me ratent. Ah non, pas le gros tas. Abusé. Ah, c'est perturbant le truc qui tire en fond là. Enfin, les météorites qui tombent en fond. Bon, là il a fait le taf, le renvoi, mais. Ça devient quand même compliqué. C'est par où? Je sais plus. Tellement de chemin. C'est un peu le problème avec la sonde, c'est que on creuse n'importe comment en fait. 4, non, 3. Alors là, qu'est-ce que je donnerais pas pour un petit. Je vais fouiller ici en attendant de remonter. J'aurais pas le temps de façon de faire l'aller-retour. Un petit ascenseur, ça ferait tellement du bien. Bon, raté, il y avait rien. On va prendre ça. Parce que la sonde c'est bien, mais elle détecte pas les objets ou les reliques ou les trucs spéciaux quoi. Après le problème Fucktop en vrai c'est que du coup là. Oula. Putain c'est dur. On a rien pour remonter ou accélérer les ressources ou quoi que ce soit et du coup c'est pas facile. On a 14, hein. Il nous faut ça. Et après. Oh le vache, le bruit du vent, j'ai cru qu'on se faisait attaquer. Allez hop, et de 1. Bon, ça a fait le taf, on en a quand même tué 2. Pour l'instant notre bouclier tient. Notre bouclier ne tient plus. On est d'accord qu'on n'a pas de cobalt. Hein. On n'a pas de cobalt. Non, il faudra que je creuse ici. Alors je sais qu'il n'y a pas de métal, mais c'est juste au cas où il y aurait un objet planqué, même si ça m'étonnerait vu comme d'autres proches. En plus on est en grande, vous m'avez fait prendre une grande. Bande de fifou. Il n'y a absolument rien à ramasser ici. C'est la merde. De là l'idée de booster le perso. Ouais. Alors c'est vrai que sur une carte grande comme ça. Même avec la vitesse, c'est chaud quoi. Alors je mets quelques petits coups de drill avant de remonter. Histoire de. Y a rien de rien à part des yeux qui me regardent.
On a 5. Il faudrait 6 pour ça, mais je sais pas si c'est vraiment intéressant. 3 secondes, là c'est 5 secondes, ouais. Oui, si, 5 secondes, on passe de 5 secondes à 3 x 3, donc ouais, si, c'est carrément plus intéressant. Je vais prendre, ouais, vu comment on commence quand même à être loin et que j'ai pas le temps de faire les allers-retours, on va prendre ça. C'est pas idéal, mais bon, mais là, je suis pas hyper positif sur cet assaut-là. Le jeu il finit quand, demande Chobiti. Le jeu il finit quand tu arrives à trouver la relique ou que tu meurs. Ah la vache, il m'a désintégré mon bouclier en un coup. Mais on a survécu! Et ça c'est beau. Du coup, faut trouver la relique. Du coup, faut trouver la relique, tout à fait. Mais là on en est loin. Casse le gros cube. Mais non, le gros cube on l'a déjà ramassé. Il est vide. Ok, 3, on peut en prendre un de plus du coup, sans perdre notre vitesse, et ça c'est bien. L'épée va avec le bouclier. Bah du coup, ouais, j'ai encore jamais testé le bouclier, parce que même dans, dans le prologue, ou l'alpha, où j'avais une clé, on l'avait pas. Allez, on va essayer de ramener les quelques pépites de plus. Voilà, 2, c'est très bien. Un petit coup de sonde pour être savoir si ça vaudra le coup de revenir. Oui, ça vaudra le coup de revenir par là. Ok. Faites place à Skeletor. On a le temps de pomper, on pompe. Hop, l'autre il a pas fini, dommage. Alors, on a 7. Oh là là, c'est compte par rond à chaque fois. Alors, pour 7, je pouvais prendre un truc du côté du bouclier, non? Oui, je pouvais prendre ça. Hop. C'est parti. Bah, je l'ai testé, le monstrifuge. Je l'ai pas trouvé, honnêtement, oufissime. Enfin, c'était intéressant comme gameplay, mais quand même assez particulier. Et merde. C'est le décor, les météorites, Zikino. C'est pour ça, moi, ça m'a perturbé aussi, mais c'est juste le décor. Et tout, il y a quoi? Il y a 3 biomes, je crois, dans le jeu, jusqu'ici, j'ai vu. Alors, on peut choisir de garder la sonde ou le convertisseur. Le convertisseur, si on l'a dès le début, c'est pas mal. La sonde, c'est pas mal aussi. Mais je pense que sur le long terme, le convertisseur est mieux. Cela étant, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais arrêter la VOD là, si vous voulez dire au revoir à la VOD. Et je pense que je vais m'arrêter aussi après, parce qu'il va être 14h, mine de rien, il fait doucement faim. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'être passé, pour tous vos conseils, c'était cool. J'en referai probablement dans l'après-midi ou ce soir, un petit coup si vous voulez repasser. Et bah, si vous repassez pas, merci beaucoup d'être venu déjà, c'était fort sympathique. Ciao ciao tout le monde.